Bonjour à tous, ce matin on se réveille à Corte, dans une jolie petite chambre, en plein centre, avec un parking privé en plein centre, ce qui est extrêmement pratique. On a bien roulé hier, ah je crois que c'est le petit déj qui arrive, on a fait des petits chemins assez difficiles, les plus difficiles que j'ai fait en tant qu'amateur. Et voilà, aujourd'hui on va repartir de Corte, voir la vallée de la Restonica et voir Piana, si je ne me trompe pas, avec les calanques de Piana, ça va l'air très joli. Pour finir à Ajaccio dans l'après-midi. Voilà en gros ce qui s'est passé. On a été mangé en ville, c'était très bon. Franchement, c'est un petit village très sympathique, Corte. C'est un village étudiant parce que c'est le seul endroit où il y a des facs, toute la Corse. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors là, on est parti pour faire la vallée de la Restonica. C'est très joli. Ça ressemble un peu à l'autre là de Asco. Donc on y va. Hop là, on va filmer un petit peu parce que je pense que ça va être joli. Oui, chercher des bons toutous. Oh, il y a des bons toutous. Oh, les bons toutous. On se fait charger là. Hein. Ouais, enfin, c'est des porcinets, hein, c'est pas non plus. Ça va les mecs? Oh oui, chercher des bons toutous. Wap, wap, wap. On est des bons gros toutous. Eh oui, wap, wap, wap. Wap, 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 wap. Wap. Allez, wap. Wap, wap, wap. Pas le même rythme. Tranquille. Hop. Tout droit. Tourne un peu. Bien. 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 C'est bon. T'avais 5 cm comme d'hab.
Bienvenue à Ajaccio. On s'est promené à Ajaccio, c'est très joli. On a bien aimé. Là, on vient de prendre le petit déj et c'est reparti pour la route. J'ai trouvé quelques trails, quelques petits chemins off-road qui sont notés sur l'application comme étant très difficiles. Mais comme on s'est chauffé ces derniers temps avec les chemins qu'on a fait, on se dit qu'on était capable de tout. C'est peut-être pas vrai, mais on va quand même essayer. Ajaccio, c'est très mignon. Ils sont fans de Napoléon ici. L'hôtel, il s'appelle l'hôtel Napoléon. Toutes les rues, elles s'appellent Napoléon. Tous les bars et tous les restaurants, ils s'appellent Napoléon. Toutes les résidences aussi. Il y a des monuments à Napoléon de partout. Donc clairement, ils aiment beaucoup Napoléon. Voilà. Et donc là, on est à Ajaccio. On va descendre. Et ce soir, on sera à Propriano. Et il y a un truc sympa qu'on va visiter sur la route, c'est des reliques d'une des reliques préhistoriques dans des pierres, des genres de dolmens, tout ça, dans une ville qui s'appelle Filipposa, je crois, ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, je trouvais que c'était intéressant, on va voir ça, et puis on va arriver pas trop tard à l'hôtel parce qu'il y a une piscine et on s'est dit qu'on allait pouvoir se détendre un petit peu. Voilà un peu pour l'update. Hier, on est passé sous un arbre, c'était intéressant, et à côté d'un énorme rocher qui s'était écrasé sur la route. C'était aussi sympa, j'étais content d'avoir mon ami David avec moi parce que pour me guider c'était plus pratique parce que vraiment on se rend pas compte à quel point quand on est dans la voiture, même si on connaît bien sa voiture et on sait bien la contrôler, c'est pas pareil que quand quelqu'un vous dit exactement où placer vos pneus depuis l'extérieur quoi. Voilà. Attention, c'est la mort. C'est ça. La la la. Oh, oh, oh. Tant qu'on ne prend pas trop d'armes avant les portières. Grosse pierre là, tu as vu. Attends, c'est évité. Coup de volant trop brusque. Putain. Ça suffit la vidéo là, c'est 2 heures que tu conduis, très mal. Tu me rends le volant mec. Non. Hop, les plantes. Non, par contre toi, ton voyage s'arrête ici. Pas trop frotter la carrosserie, ça c'est important. Ouais. Éviter les secousses. Faut caresser la carrosserie, je vais la caresser gentiment. Ah, regarde, il y a une série de quoi, il va falloir qu'on la laisse passer. On va voir. Non. La règle c'est la voiture la plus chère à priorité. Comme dans la vie. D'ailleurs, ils se sont sagement et docilement mis sur le bas-côté. Ouais, par contre, tu vas devoir frotter un peu les arbres, ça te dérange pas. Alors... Fais leur coucou. Je crois que tu peux te mettre là. Hein. Bah, je passe, non? Ah oui, vas-y. Vas-y, avance. Ok. Ok. Alright. Mais c'est des petites voitures de golf en même temps, t'as vu? Nous sommes arrivés à Propriano, dans une très très belle demeure, une grande chambre, une belle vue, on va aller un peu à la piscine, on a fait une belle journée de off-road. Évidemment, comme d'habitude, les moments les plus chauds, je les capture pas à la caméra parce que j'ai peur, tout simplement. Je suis pas habitué encore, mais ça viendra. En tous les cas, franchement, le Class G, je comprends pas. Je sais que c'est pas étonnant pour ceux qui connaissent, mais moi ça me paraît toujours surprenant que... Et pour il arrive à encaisser tout ce qu'on lui met dans la gueule à ce point-là, quoi. Bref. Et voilà, il est là. Devant la mer. On va se reposer un peu maintenant. On continuera demain.
Salut à tous, ce matin on est à Porto Vecchio pour deux nuits. On fait des petites routes comme vous pouvez le voir, d'ailleurs je vais rouler en parlant comme ça on perd pas de temps. La vue est sublime, donc on a trouvé tous les trails qu'on pouvait faire. On a fait une partie de la route des seigneurs, c'est vraiment assez impressionnant. Je suis aussi impressionné de la voiture qu'elle a réussi à faire un chemin pareil, parce que putain c'est... Bah, je vous montrerai en image, c'est difficile à décrire, mais c'est assez costaud comme piste, la piste des seigneurs. Mais bon, si on est assez prudent et qu'on a un bon spotter, ça passe. Et voilà, donc là on est sur une petite piste, je ne sais même pas ce que c'est en fait. Mon Google Map il devient ouf, je lui ai demandé de nous emmener à une belle cascade que j'avais notée. Et voilà la route qui nous fait prendre Google Maps, normal. Donc et voilà, c'est notre dernier jour de demain. On reprend la route vers Bastia pour prendre le ferry demain soir pour rentrer à Toulon et puis à Paris. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. On a passé un bon moment. Et la voiture a été au top, on a fait un maximum de petits trails, de petits chemins. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous donner les tracés sur Wikiloc, de ceux que j'ai, en tout cas de ceux que j'ai tracés. Alors j'ai pas tous tracés, mais au pire, je peux vous donner la trace de ceux que j'ai suivis. Prêt ? Ouais. C'est la fin du voyage, le soleil frappe fort, il fait beau. C'était sympa, on est donc à Porto Vecchio. On va prendre la route, faire quelques derniers petits trails, petits chemins sympathiques. Et puis on reprend le bateau à Bastia ce soir. Demain, on est en France, on roule direct jusqu'à Paris. Ok, bon bah donc aujourd'hui c'est le dernier jour, mais on se fait quand même un dernier petit trail ou deux avant de retourner à Bastia pour prendre le ferry vers Toulon. Comme vous pouvez le voir, on a trouvé un petit chemin qui monte vers les montagnes. Voilà. Pas mal de déboulements pour voir les énormes cailloux sur la route qui ont chuté un peu de la montagne. Quand on est là-haut, on devrait avoir une jolie vue, on va voir ce que ça donne.
tente. Ok. Gros boule d'air, là, mais difficile de les éviter. Ça monte tout seul. Kind of. Vraiment risqué quoi. Voilà, par contre c'est pas ça. Évidemment, la vidéo c'est pas. Alors, là par contre, on attend parce qu'il y a des éléments au chien, on va essayer d'être délicat. Puisqu'on peut. 2-3 arbres, 3 branches, 3 branchettes. Quand je regarde dans la GoPro, c'est plat. Hein. J'aime pas quand tu fais ça, putain. Génial, c'est moi qui décide de la vitesse. Merci. Il passe la seconde en plein milieu de la montée. Tu peux pas te fier aux voitures allemandes. Et là, putain, c'était pas loin. Tu veux que je te déplace le tronc là? Honnêtement, non, le tronc, je sais pas si tu pourras, mais ça. Peut-être que ça passe, hein? Je sais pas. Tu pourrais me dire si ça passe? Et bah, je te dirai quand on sera en train de passer. Et là, tu arriveras s'il y a de la. À droite, c'est bon. Mais vraiment large. Donc, ah ça, ouais c'est, bah oui. Après, c'est à toi, du côté des poignards, de me dire si. Non, c'est ça bon. Passe aussi. Ok. Ça, c'est cool, le cas, si on avait l'autre classe, on passerait pas. Oh là là, pas mal hein. Je pensais pas qu'on allait passer. Contourne ça là, les amulettes vaudou. S'il te plaît. Attends, mais c'est un bordel. Ça fait très peur. C'est hallucinant. Tiens. Hop, ok. Cimetière indien, c'est fait. La mer est là hein. Oui. On va voir ce qu'il y a au bout, mais... Ça peut pas être bon pour la peinture. Les rires de Freddy Krueger, ça peut pas être bon pour la peinture. Au moins, c'est bien, c'est que ça sera symétrique qu'on va faire le retour. Pas besoin de klaxonner, je pense qu'ils entendent le frottement sur la voiture. Yeah.
Et voilà, on rentre dans le ferry pour le retour. C'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc c'était top. Et puis au prochain voyage.